Salut, on est parti pour un vlog à San Diego. Alors, j'avais pas du tout prévu de vlogger ici, donc ça va être avec le téléphone. J'espère quand même que ça va donner une qualité plutôt pas mal. Donc là, en fait, c'est un ami de Los Angeles qui m'a invité dans la maison d'un de ses autres amis pour les hauteurs de San Diego. Comme on peut voir avec la vue du lever de soleil et du coucher de soleil, c'est absolument magnifique. Enfin, le coucher de soleil, il se couche ailleurs, mais au lever, c'était pas mal quand même, même si les nuages ont gâché un peu tout le truc. Enfin bref, nous allons maintenant explore this area with a lot of rock everywhere. Apparemment, il y a des scorpions et des serpents, on va quand même faire gaffe. Et puis ensuite, du coup, on va faire un petit tour sur la plage de San Diego et faire la fête. Bon, allez, c'est parti! Bon, eh ben j'ai plus croisé de soleil insupportable et de transpiration que de rattlesnake et de scorpion. Je suis plutôt déçu. Mais j'avoue que je saurais pas trop comment réagir face à ce genre de bestiaux. Enfin bref, on va continuer notre exploration vers le centre de la ville de San Diego. C'est parti tout de suite. Bon, eh bien, j'arrive plus à parler. De retour à la maison, c'était une journée compliquée. Hein. Putain, ouf. À croire qu'ils voulaient me faire découvrir toutes les braveries. Bravery, qui est un mot que j'ai appris aujourd'hui, qui est du coup un endroit où on fabrique la bière. Et donc, du coup, il y a plein de bières artisanales. Et donc, comme vous l'avez vu en vidéo, bah, on prend un petit truc de chaque pour goûter. Voilà. Donc, au final, tu retrouves à boire 2 ou 3 bières à toi tout seul pour le prix de 1. Enfin, bref, vous avez aussi pu voir, du coup, mes magnifiques compétences, skills, awesome de skimboard. C'était grandiose. Je pense que ce vlog va être d'une qualité incomparable comparé aux autres. Juste du fait parce que c'est absolument pas prévu, mais bon, j'avais quand même envie de vous partager 2-3 petits trucs, et puis j'espère que ça vous plaira. En attendant, oui, je suis désolé, je vis tout l'été à Los Angeles et je ne vous ai toujours pas fait de vidéo à propos de Los Angeles, mais bon, sur la page Facebook j'ai commencé à partager pas mal de photos, et puis ne vous inquiétez pas, les vidéos à propos de Los Angeles sont prévues bientôt. Je ne sais pas quand, je n'ai pas envie de donner de date parce que je suis à chaque fois en retard et que je n'arrive pas à prévoir un calendrier correct. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Une prochaine fois, je ne sais pas quand. Et puis, salut! J'aimerais bien dire comme les youtubeurs tous, genre, à la semaine prochaine! Mais j'arrive jamais à tenir mes délais, c'est pas possible! C'est des points possibles! Il y a toujours des choses qui s'arrivent comme ça, genre, hey, vas-y, viens, on va à San Diego! Oui, on y va! Mon emploi du temps, c'est le même état que ma coupe de cheveux à l'heure actuelle, tu vois, c'est...
Il n'y a aucune organisation. Il n'y a pas un cheveu qui est d'accord avec l'autre. Non, non, non. Je devrais inventer une démocratie capillaire pour arriver à organiser cette chose sur la tête que j'ai là. Ou alors aller au coiffeur, je ne sais pas. Enfin bref, j'arrête de raconter ma vie. Salut.